Aujourd'hui, c'est une grosse déception. On a fait le maximum comme équipe et voilà, c'est quand même dommage. Après, je suis tombé sur plus fort dans le final, j'ai fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. J'ai attaqué aussi à 3 km de l'arrivée et voilà, j'ai payé dans la dernière, mais je ne cherche pas forcément d'excuses. Vaco qui était très fort. Oui, justement, c'est une course vraiment. On peut dire que c'est la première des Ardennaises, c'est normalement la moins dure, mais finalement, c'est peut-être la plus disputée, non ? Non, c'est une course très ouverte et je pense qu'en plus, c'est ce qu'on a voulu comme équipe Lotto-Soudal de durcir la course vraiment de bonne heure. Donc voilà, ça a fait une course très sélective. Et voilà, c'est comme ça. Après c'est ce qu'on voulait. On a fait une belle course et voilà, même si c'est une déception au final, c'est comme ça. Satisfait au niveau de la condition aujourd'hui, vous êtes prouvé que vous étiez prêt pour les 13 Ardennaises ? Ouais, surtout que les jambes n'étaient pas super. Je ne sais pas si j'avais vraiment récupéré de la Pays Basque. Comme ça s'entend, je suis pris du nez un peu depuis Pays Basque. On a eu très froid, des mauvaises conditions. Et voilà, je ne sais pas si c'était la meilleure préparation pour cette Vlaamse Brabantse, mais en tout cas, c'est rassurant pour les trois courses qui arrivent.